Ok, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve. On est le jeudi 17 octobre. Il est actuellement 15h45 à Tokyo. Donc, du coup, là, ce sera le deuxième épisode pour le vlog au Japon. Et aujourd'hui, je voulais vous expliquer un petit peu parce que j'ai un peu filmé, mais comme je vous ai dit, je suis pas hyper à l'aise au début, donc forcément, bah, je fais des petits bouts par-ci par-là et comme ça, je peux mieux vous expliquer maintenant. Aussi, si vous voyez la lumière, c'est parce que aujourd'hui, il fait hyper moche, il pleut et du coup, j'ai pas du tout de lumière à 15h, donc c'est génial. Aujourd'hui, j'avais un casting avec toutes les filles, donc on y allait toutes en même temps. C'était pour une marque de vêtements. Je vous aurais filmé quelques images que je vous mettrai en même temps que je parle. Et donc on s'est tout aligné avec notre book de photos à la main. Chacune, une par une, on est allé voir du coup la personne qui s'occupait de la marque et qui a regardé nos photos. Et qui nous a regardé tout simplement pour voir si on correspondait au profil qu'elle recherchait. Donc certaines filles ont pris des photos et il y en a d'autres aussi qui sont allées essayer des vêtements. Donc généralement ça veut dire qu'elles se projettent avec sa marque sur vous, donc c'est plutôt positif. Moi c'était mon deuxième casting et du coup elle a juste pris des photos, donc je sais que ce sera pas moi qu'elle choisira, mais c'est pas très grave parce que c'est vraiment le début et donc je m'en fais pas trop, j'essaye de pas le prendre personnellement parce que concrètement elle recherche un profil et si vous ne correspondez pas à ce profil, c'est pas parce qu'elle ne vous aime pas ou quoi, c'est juste parce qu'elle a quelque chose en tête et qu'elle veut trouver la personne. Et puis aujourd'hui, bah, y avait qu'un casting, donc du coup on est rentré à l'appart. Je devais peut-être sortir après le casting, aller visiter un petit peu avec la fille polonaise dont je vous avais parlé déjà dans le vlog d'avant. Mais il pleut. Du coup, bah, on est rentré à l'appart et on s'est dit qu'on allait le faire demain. Aussi, j'ai fait des images pour que vous voyez mon book, donc qu'on présente aux clients. Donc j'ai envoyé en fait toutes mes photos à l'agence, c'est l'agence qui a choisi quelles photos iraient dans mon book. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de photos en lingerie, bikini, etc. parce que ils estiment que j'ai le corps pour faire ce genre de job ici. Et puis voilà, on se retrouve demain. Bisous. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve, on est samedi. Et donc là je suis sur la route donc à pied pour aller à un shooting. Donc c'est un photographe japonais qui m'avait proposé en fait quand j'étais à Paris, sauf que je lui ai dit que je venais bientôt à Tokyo, donc on aurait l'occasion de shooter. Et donc aujourd'hui j'y vais, c'est ma première sortie toute seule, mais tout va bien parce que j'ai ma petite map. Et parce que l'agence en fait nous donne des petits boîtiers où on peut avoir la wifi dehors. Donc ça va, je m'en sors. Et là il faut que je tourne. Et je suis un petit peu en retard donc je me dépêche. Mais je voulais vous reprendre parce que hier j'ai pas filmé vu que je n'avais aucun casting, j'avais rien. Donc j'en ai profité pour rester à la maison, faire du montage et tout. Et le soir en fait on est sorti prendre une glace, mais j'ai oublié ma caméra, donc voilà, Elsa la boulette, quand elle sort elle prend pas la caméra, donc la prochaine fois que j'irai en ville je vous prendrai avec moi, mais là du coup je m'en vais pour mon shooting. Ça fait hyper mal à la main ce truc, c'est tout petit comme caméra mais c'est hyper lourd et je sais que je regarde trop dans le retour caméra mais j'ai pas encore l'habitude de vlogger, donc excusez-moi. Je vous reprends juste après, je me dépêche parce que je suis en retard. Aujourd'hui on est le dimanche et je sors que maintenant, il est environ 15h et on va aller manger parce que je suis encore un petit peu décalée du décalage horaire.
Donc du coup je me suis levée, il est 11h30, j'ai déjeuné, donc là il est 15h et on va aller manger. Donc voilà, je vous filme un peu tout ça. Aujourd'hui, on est lundi, il est actuellement 13h41 exactement. Je vais aller faire mon sport avant de déjeuner et puis je voulais vous emmener avec moi parce que souvent vous me demandez ce que je fais comme sport. Et du coup, bah, je vais vous montrer un petit peu. Je suis tout simplement une vidéo YouTube de Sissi. Donc voilà, si vous la connaissez pas, allez voir sa chaîne. Je fais vraiment des super cours de sport quoi. Et oui, aujourd'hui j'ai pas de casting, donc du coup je fais un peu ce que j'ai envie. Et donc je me suis dit que j'allais faire un peu de sport parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, on va aller dehors pour faire ça. Et puis voilà quoi. Après ensuite j'irai me doucher parce que demain je travaille enfin mon premier job, donc je suis trop contente. Et je crois que mercredi aussi je travaille. Voilà, allez on y va. Ok, du coup là je suis dehors avec mon ordinateur. Et la vidéo de Sissi. Donc aujourd'hui normalement je vais faire un full body cardio. Génial, on adore. Mais ça fait un moment que j'ai pas fait de sport, donc il faut un petit peu sécher tout ça et partir sur de bonnes bases. Donc je vais faire ça et je vais essayer de mettre la caméra pour que vous voyez un peu ce que je fais. Ok, donc je vous retrouve, j'ai fini mon sport. Je vous aurais mis quelques plans où on voit faire du sport, mais concrètement on voit pas grand chose et je pense que c'est plus intéressant si je vous mets le lien de la séance de Sissi en barre d'infos. Donc je ferai ça et là en fait j'ai mangé et je vais au supermarché faire quelques courses et donc je me suis dit ce serait drôle de vous emmener parce que je comprends rien, il y a tout écrit en japonais en fait. Et du coup, quand vous avez fini vos courses, on vous donne votre panier et le petit sac et c'est à vous de tout emballer. Donc je fais ça et je vous reprends après. Du coup, voilà, j'ai fait mes petites courses. Donc le supermarché, il est à 200 mètres, donc c'est vraiment à côté de la maison. Donc là, je rentre à pied. Retrouve maintenant juste pour vous dire que je suis bien rentrée de mes petites courses, donc j'ai pris ma douche et tout, enfin j'ai un peu fait ma vie pendant ce temps là mais je voulais juste vous dire qu'en fait je filme avec mon téléphone parce qu'en fait boulette que je suis, j'ai voulu faire recharger ma batterie de
d'appareil photo. Et en fait, j'ai oublié tout simplement de le prendre avant de partir. Donc j'ai demandé à mon père, il est bien chez moi, donc je lui ai demandé en fait tout simplement de me l'envoyer, parce que là tout simplement j'ai plus de batterie, et du coup bah, il me l'a envoyé par la poste, mais ça va prendre un peu de temps, donc en attendant je filme avec le téléphone, je suis désolée si la qualité n'est pas au top, mais c'est ça, ou sinon je filme pas, donc voilà. J'ai vu que sur les plans précédents, parce que je suis en train de monter en même temps le vlog, que la qualité est vraiment pas ouf. Du coup, maintenant j'ai réussi à le mettre en HD, donc je pense que ce sera mieux cette vidéo-là. Et je vais continuer à filmer en HD, comme ça vous aurez quand même une bonne qualité. Et j'espère que mon chargeur va arriver vite. Donc voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Je pense que je vais le terminer là parce qu'il fait déjà 10 minutes. Et on va en entamer un troisième, donc demain, où je vais commencer en fait mon premier job. Donc trop contente et bah, je vais vous filmer tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.